Bonjour. Quand on parle de la Bible, la plupart des gens pensent aussitôt au livre sacré des chrétiens. Alors, c'est vrai, mais ce n'est pas uniquement cela. Parce qu'en fait, la Bible chrétienne, c'est le résultat de la réunification de deux grands ouvrages distincts. D'abord l'Ancien, puis le Nouveau Testament. Ce que les chrétiens appelle l'Ancien Testament est en fait la Bible hébraïque, ou Tanakh, c'est-à-dire le texte fondateur du judaïsme. Et ce texte raconte l'histoire de la relation mouvementée entre Dieu, Yahweh, et l'humanité, et plus particulièrement le peuple juif. Le second, ou Nouveau Testament, raconte, lui, l'histoire de Jésus de Nazareth, sa vie, son enseignement et les débuts de l'Église chrétienne tels que relatés par les évangiles. Ces deux ouvrages sont une collection de plusieurs livres écrits selon les spécialistes entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle après Jésus-Christ, soit sur une période d'environ 1000 ans. Ça fait pas mal. Ce qui est frappant quand on commence à creuser un petit peu l'histoire de la Bible, c'est que c'est un sacré bordel. Et pourquoi, me direz-vous? Eh bien, principalement du fait que nous ne possédons, que ce soit pour l'Ancien ou le Nouveau Testament, aucun original. Que chi, que dalle, nada, walou. Ce dont nous disposons de plus ancien pour la Bible hébraïque, ce sont des traces éparses et incomplètes. Par exemple, un bout de verset gravé sur l'amulette Ketefinom, daté aux alentours de 600 avant Jésus-Christ. C'est un truc qui est gros comme ça, à peu près 10 cm. Et là, un fragment de papyrus, connu sous la nomenclature 4Q Sam, datant du 3e siècle avant Jésus-Christ, est trouvé parmi les fameux manuscrits de la Mer Morte. Alors ces manuscrits, ils ont été retrouvés entre 1947 et 1956, éparpillés dans plusieurs grottes, sur le site de Qumran, en Cisjordanie, sous la forme d'environ 100 000 fragments de rouleaux de papyrus ou de parchemin. À partir desquels on a reconstitué 870 manuscrits, chacun, à part une dizaine, ayant pour auteur un scribe différent. Pour ce qui est du Nouveau Testament, la plus ancienne trace écrite que nous possédons est le papyrus P52 de la bibliothèque Highlands et qui est daté de la première moitié du 2e siècle. Alors, le truc essentiel à garder en tête pour ne pas être totalement paumé dans toutes ces histoires, c'est qu'à cette époque, dite hellénistique, qui va d'environ moins 320 à moins 30, toutes les élites intellectuelles de cette région du monde parlent grec. Ça, c'est le truc à retenir. Le grec, c'est la langue que tout le monde utilise. C'est exactement comme de nos jours, l'anglais domine totalement le monde économique et la culture populaire. Ben à ce moment-là de notre histoire, la langue qui domine cette partie du monde, c'est celle du soft power grec. Et c'est vrai, y compris pour l'Empire romain. C'est-à-dire qu'à Rome, ça parle grec chez les aristos et chez les esclaves. Le latin, c'est pour la plèbe et les petits bourgeois. La domination latine viendra plus tard. Bref. Petite précision en ce qui concerne le peuple juif de Judée. À cette époque, ça parle araméen. L'hébreu est déjà une langue morte. Important à garder en tête aussi. La thèse de mode de constitution de la Bible hébraïque et de son origine, dite de la théorie documentaire, n'est pas nouvelle, puisque c'est celle qui domine chez les théologiens depuis le XVIIIe siècle. L'idée, c'est que l'Ancien Testament serait un rassemblement, une collection, une compilation de textes rituels, de prophéties ou de croyances traditionnelles ayant été consignés et compilés sur une très longue période. Et ce, par un grand nombre d'auteurs différents. Ce que semblent confirmer, par exemple, les manuscrits de la Mer Morte. Pourtant, depuis quelques années, ce modèle explicatif est remis en question par un certain nombre d'historiens des religions ayant une approche qualifiée d'hypercritique par leurs opposants traditionalistes. Nous reviendrons dans un prochain épisode
sur cette guéguerre des méthodes en histoire des religions. Parmi les auteurs majeurs de ces textes antiques, certains sont considérés comme plus importants que d'autres, et c'est le cas par exemple d'Esdras ou Ezra. En fait, le gars a deux noms. On l'appelle soit Esdras, soit Ezra, mais c'est la même personne. Alors, Esdras, il est important car il a un livre à son nom qui raconte qu'en 458 avant Jésus-Christ, un roi perse, Antaxerxès Ier, a chargé le fameux Esdras de ramener à Jérusalem un groupe d'environ 5000 juifs qui s'étaient exilés à Babylone et, une fois arrivés à destination, donc à Jérusalem, de devenir le dirigeant spirituel de toute la communauté juive. Selon la tradition, Esdras aurait été le créateur de la grande assemblée des 120 sages, laquelle deviendra ensuite ce qu'on va appeler le Sanhédrin. Non seulement ça, mais il serait aussi le principal artisan de la compilation et de l'édition d'une histoire du peuple hébreu allant du livre de la Genèse au second livre des rois, mais sans le Deutéronome. Ça, c'est un détail. Il serait donc à cette époque l'incontournable éditeur de la Bible hébraïque. Seulement, cette hypothèse ne fait plus l'unanimité parmi les chercheurs pour un certain nombre de raisons assez complexes que je ne vais pas détailler ici, mais je vais quand même vous donner trois éléments de réflexion. Le premier écueil, c'est que ce que l'on sait d'Esdras, c'est ce qu'Esdras dit d'Esdras. Parce qu'en fait, le récit, c'est une sorte d'auto-témoignage. Oui, c'est un peu tordu comme procédé littéraire, et question objectivité, on a vu mieux, nous sommes d'accord. Mais, me direz-vous, c'est exactement ce que Jules César a fait dans son récit de la guerre des Gaules. Certes, mais des témoignages indépendants de celui de Jules corroborent la véracité générale de son récit, ce qui n'est pas le cas de celui d'Esdras. Le deuxième truc vraiment curieux, c'est le style et la langue utilisés pour écrire le livre. Eh bien oui, parce que ce que raconte Esdras est censé se passer aux alentours de moins 400. Or, à cette période, la domination culturelle n'est pas grecque, elle est perse. Or, l'ensemble du texte présente toutes les caractéristiques de la période culturelle hellénistique. Vous mordez le souci ? Je vais illustrer le problème avec une analogie. Imaginez qu'en 3020, des archéologues tombent sur un texte faisant le récit d'un noble français partant aux Amériques pour fuir la révolution de 1789. Mais ce récit serait rédigé dans un anglais contenant des expressions, des tournures grammaticales et des mots typiques de notre 21e siècle. Ça poserait un léger problème de cohérence, non ? Et le troisième oursin, c'est qu'entre le moment où Esdras est censé avoir vécu, c'est-à-dire à peu près aux alentours de moins 400, et le moment où son livre paraît, c'est-à-dire en 100, pendant une période de 500 ans, aucun auteur, aucun commentateur de la Bible n'a entendu parler de lui ou ne le cite, alors qu'il devrait être une vedette compte tenu du fabuleux travail de compilation qu'il est censé avoir accompli. C'est aussi étrange que si, depuis l'invention du rock, aucun musicien, dans aucune interview, aucun critique musical, dans aucun article, aucun auteur ayant jamais écrit sur l'histoire du rock'n'roll ne mentionnait le nom d'Elvis Presley. À part l'autobiographie d'Elvis Presley, qui sortirait dans 400 ans. Si des historiens du 23e siècle tombaient sur un texte présentant de tels anachronismes, il serait vraiment étonnant qu'ils le considèrent comme une source historique fiable à propos de notre époque, et qu'ils prennent son récit au pied de la lettre. Et bien pourtant, c'est exactement ce qui se passe avec le livre d'Esdras, et ce, depuis le XVIIIe siècle. Parce que la théorie documentaire est largement basée dessus, il est impossible de remettre en question son degré de validité. Vous, je sais pas, mais moi ça me paraît un peu curieux, et sacrément fragile. Alors, selon l'hypothèse officielle, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Eh bien, à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ, le Tanakh juif commence à être traduit en grec. Parce que, souvenez-vous, on est en pleine période hellénistique. Cette traduction s'appelle la Septante. Et à celle-ci viennent s'ajouter, au fil du temps, un certain nombre d'autres livres considérés comme sacrés,
soit traduit de l'hébreu, soit écrit directement en grec. Cette Bible hébraïque, écrite en grec, va servir de base aux orthodoxes et aux chrétiens pour constituer ce qui s'appelle maintenant l'Ancien Testament. Seulement, durant cette période de constitution, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur le choix des textes qui doivent en faire partie. C'est pourquoi, dans les Bibles orthodoxes, protestantes ou chrétiennes, on se retrouve avec des versions divergentes de l'Ancien Testament, mais qui divergent aussi du Tanakh actuel. Et divergent, c'est énorme. Donc, dans l'Ancien Testament, on a des textes d'origine fragmentaire, inconnus ou douteuses, pas placés dans le même ordre selon les traductions, les éditions et les traditions, auxquels on ajoute d'autres livres, pas toujours les mêmes, et pas toujours dans le même ordre, plus ou moins complets. Vous avouerez que... Ça, c'était pour l'Ancien Testament. Voyons donc maintenant ce qu'il en est du Nouveau. Étant donné que les textes qui le composent sont plus récents et plus nombreux, vous vous dites que ça ne peut pas être aussi compliqué que pour l'Ancien. Et vous avez raison. Parce qu'en fait, c'est pire. Si, si, je vous assure que d'une certaine façon, c'est pire. Alors, pour être en mesure de bien vous expliquer pourquoi, il va falloir qu'on fasse un tout petit peu d'histoire. Vous voyez sur la carte, la partie en vert clair ? Eh bien, elle représente les territoires dominés par la République romaine en moins 30. En moins 63, le général Pompée s'empare de Jérusalem. Ce même Pompée qui ensuite formera le premier triumvirat avec Cassius et Jules César. Ce même Pompée qui sera ensuite battu par Jules César quand celui-ci marchera sur Rome après avoir gagné la guerre des Gaules pour y prendre le pouvoir et à cette occasion qui franchira le Rubicon en criant, paraît-il, « Alea jacta est, les dés en sont jetés ». Nous sommes donc à un moment charnière historique où la République romaine cesse pour laisser la place à l'Empire romain. À cette période, la Judée est ce qu'on appelle un État client de Rome, c'est-à-dire que c'est un État relativement indépendant, mais sous domination romaine. Sa situation est un petit peu comparable à celle qu'ont connu des pays comme la Roumanie ou la Yougoslavie, par exemple, sous la houlette de l'URSS pendant la guerre froide. En moins 41, les Romains font nommer un nouveau roi appelé Hérode. Oui, le fameux Hérode qui aurait fait trucider tous les enfants d'Israël à raison qu'une prophétie aurait prédit l'arrivée du roi des Juifs. Je dis « aurait » parce qu'en dehors de la Bible, les historiens ne trouvent strictement aucune trace d'un quelconque massacre perpétré par Hérode, comme d'habitude. Entre autres choses, le roi restaure le temple de Jérusalem, mais du même coup, Hérode aussi une partie du pouvoir des religieux. Oui, mais j'ai pas pu résister. Hérode, ça fait... Forcément, ça passe mal auprès des élites, qui du coup font tout pour faire monter les tensions entre l'occupant romain et le peuple. La conséquence, c'est qu'au début du 1er siècle, la domination de la Judée se durcit, au point qu'en 66 éclatent des révoltes qui sont matées dans le sang et conduisent finalement en 70 à la destruction du temple de Jérusalem. Or, à partir de 50 et jusqu'en 130, on constate l'apparition d'une littérature racontant qu'aux alentours de 30, les Romains auraient exécuté un rabbin appelé Jésus parce qu'il annonçait l'imminence de l'arrivée du royaume de Dieu et donc la fin du joug romain. Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Ces textes, une fois rassemblés, deviendront le Nouveau Testament tel que nous le connaissons et qui comprend, selon l'ordre canonique occidental, un certain nombre de livres qui sont les quatre évangiles canoniques, donc selon Matthieu, Marc, Luc et Jean,
les Actes des Apôtres, 14 épîtres attribués généralement à Paul de Tarse, d'autres épîtres dites catholiques attribuées à d'autres disciples comme Simon-Pierre et enfin le livre de l'Apocalypse. Ah, chose capitale à retenir, le classement des livres dans le Nouveau Testament ne suit pas une logique de chronologie d'écriture, mais une logique de récit. On trouve d'abord les quatre évangiles selon Matthieu, Marc, Luc et Jean qui font le récit des circonstances extraordinaires de la naissance, de la vie, de la mort et surtout de la résurrection de ce Jésus de Nazareth et le présentent comme étant le Messie attendu et annoncé par les prophéties dans l'Ancien Testament. Il raconte ensuite la façon dont ses enseignements se sont répandus dans le monde et l'avènement de son culte et de son Église. Puis on a les épîtres de Paul de Tarse. Alors, épître, c'est le mot savant pour dire que ce sont des lettres dont l'auteur est très ancien ou mal connu, voire inconnu. Le Nouveau Testament continue avec les épîtres aux Hébreux, qui est un texte qui explique aux Juifs qui ne se sont pas encore convertis pourquoi ils ont tort de ne pas prendre Jésus-Christ pour le Messie qui avait été annoncé par les prophéties qui émaillent l'Ancien Testament, donc le Tanakh. Puis viennent les épîtres catholiques, encore des lettres, attribuées cette fois aux premiers disciples de Jésus, dont certains seraient même ses petits frères. Et tout ça est conclu par le livre de l'Apocalypse selon saint Jean. Mais me direz-vous, taquins et tatillons que vous êtes, si on a les textes et les auteurs, qu'est-ce qu'il y a de si compliqué ou de si bizarre dans le Nouveau Testament ? Eh bien, le fait que, oui, on a des textes, mais que le petit souci, par exemple, pour les évangiles, c'est qu'on ne sait pas vraiment ni qui les a écrits, ni quand ils ont été écrits. Je vous explique. La rédaction des textes du Nouveau Testament est généralement située par les spécialistes entre 35 et 95. Mais la première liste officielle des textes composant le Nouveau Testament, ce qu'on appelle maintenant le canon, n'est fixée qu'en 363, lors du concile de Laodicée. Et en fait, plus on remonte dans le passé sur les textes originaux, plus ceux-ci divergent. Non, je la ferai pas deux fois. Cette diversité des textes est due au fait que dans les communautés chrétiennes primitives, la tradition orale prend largement le pas sur l'écrit. Et donc, avant, pendant et après la rédaction des textes, eh bien, vous avez des différences, parce que les récits évoluent. Ça produit forcément, mécaniquement, des variations dans le récit, pour ne pas dire des erreurs ou des contradictions. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que si Jésus a vraiment existé, alors il est vraisemblable que lui et ses premiers disciples parlaient l'araméen. Souvenez-vous, on a dit qu'à l'époque, l'hébreu est déjà une langue morte. Et même si certains d'entre eux parlaient le grec, ils devaient le parler à peu près comme nos parents parlaient l'anglais, c'est-à-dire mal, en tout cas pas suffisamment pour écrire les textes eux-mêmes directement. Or, on n'a pas un seul bout de texte parlant de Jésus ou ses disciples qui soit rédigé en araméen. Tous les évangiles sont écrits en grec. On a donc là une sérieuse raison de douter que ce soit les apôtres, c'est-à-dire les gens qui ont connu Jésus, qui aient été les auteurs des évangiles. Alors pourquoi les évangiles sont-ils écrits en grec ? Excellente question de Rechef. Vous vous souvenez que nous sommes en pleine période hellénistique. Eh bien, à l'époque, le grec est très répandu dans les milieux intellectuels, donc chez les gens qui savent lire et écrire. Il paraît donc logique que cette histoire ait été consignée dans cette langue, à destination de ceux qui savent lire. Et puis, comme on parle grec dans tout l'Empire romain, c'est la langue idéale pour véhiculer ce genre d'idées, même à l'oral. Faut pas oublier que le but de l'évangélisation chrétienne, c'est de répandre aussi largement que possible la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'enseignement et la promesse de Jésus-Christ faite à ses disciples que ceux-ci gagneront la vie éternelle. Et si vous voulez répandre une idéologie, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de convaincre les élites. Depuis des siècles, la plupart des gens, qu'ils soient croyants ou non d'ailleurs, sont absolument persuadés que les évangiles ont été écrits
par les disciples de Jésus, c'est-à-dire des gens qui l'ont connu, qui l'ont suivi, qui l'ont accompagné dans son enseignement, dans son accomplissement de miracles, dans son procès, dans son exécution, dans sa mort, et surtout, qui auraient été témoins de sa résurrection. Sauf qu'en fait, c'est impossible. Ni Matthieu, ni Marc, ni Jean, ni Luc n'ont jamais rencontré Jésus de leur vivant. Ni du sien d'ailleurs. J'insiste parce que c'est quand même un peu énorme. Les évangélistes Matthieu et Jean ne sont pas les apôtres Matthieu et Jean. Quant à Marc et Luc, ils ne sont pas devenus non plus des disciples des disciples. Ils n'ont jamais rencontré directement l'enseignement de Jésus-Christ. Je sais, c'est dingue. Et ce n'est pas le détail le plus gênant dans toute cette histoire. Parce que, à propos de la rédaction des évangiles, ça s'écharpe encore sous les lambris des bibliothèques universitaires. Pour savoir qui a écrit quoi en premier, qui a écrit quoi en second, qui a repris qui, à quel moment, pourquoi il y a des trous là et pas là, pourquoi c'est pas le même style et pourquoi c'est... lui il fait des fautes et lui il en fait pas, et puis ça devrait être le même auteur mais il fait des erreurs qu'il fait avant et pas après et pas au milieu, c'est un bordel absolument monstre. Alors, on va pas se lancer ici dans l'exploration des diverses hypothèses de résolution de ce qu'on appelle le problème synoptique, parce qu'il y a des gens qui font ça depuis 50 ans et qui s'en sortent pas. Mais bon, pour faire simple, il y a eu copiage. Seulement, on ne sait pas de qui, sur qui, ni à quel moment. Promis, je vous en parlerai un jour plus largement. Donc encore une fois, c'est bien le bordel. Et dernier clou sur la croix, si j'ose dire, les spécialistes sont maintenant quasi unanimes pour dire que les évangiles sont des pseudépigraphes. En clair, ça veut dire que différents auteurs ont usé du même pseudonyme pour écrire des textes différents. Est bonne celle-là, non? Quatre auteurs, un seul nom. Quand je dis quatre, c'est un exemple, il peut y en avoir plus. Pour résumer, les évangiles auraient donc été écrits entre 65 et 95, voire plus tard, c'est pas encore tout à fait fixé, ça discute encore, par des gens qui n'ont jamais connu Jésus, dans une langue que les supposés disciples ne parlaient pas, à plusieurs mains, par des auteurs anonymes qui ont copié mal en plus les uns sur les autres, et ce, 30 à 65 ans après les événements qu'ils relatent. Soit presque à deux générations de distance de la mort supposée de Jésus. Vous avouerez qu'il y a de quoi se dire que c'est pas super fiable. En fait, les évangiles, c'est le premier cas documenté de légende urbaine en réseau. C'est l'homme qui a vu la femme, qui a vu l'homme, qui a vu les hommes, qui lui ont dit qu'ils avaient vu la femme, qui avait vu l'homme, qui lui a raconté que... plusieurs personnes racontaient la même histoire à quelques détails près. Et les détails, nous nous pencherons dessus sur plusieurs épisodes différents. Ça, c'était pour les évangiles. Maintenant, penchons-nous un tout petit peu sur les épîtres de Paul de Tarse. Ah bah oui, allez, un peu de courage, on est presque au bout. Dans ses lettres, dans ses épîtres donc, Paul raconte les circonstances de sa conversion au christianisme et écrit à des gens qui sont déjà convertis, eux, ce qu'il faut réellement comprendre des enseignements de Jésus. On notera que le gars ne doute de rien. Eh bien, certaines de ses lettres, envoyées à des communautés primitives chrétiennes, ont été écrites avant le premier évangile. C'est-à-dire avant le premier récit de la vie de Jésus. Alors, le gars Paulo a vraisemblablement existé, hein, pas de problème là-dessus. Non, le truc gênant, c'est qu'une bonne moitié des 13 épîtres qui lui sont traditionnellement attribués, eh bien, il ne les a pas écrites. Et là, si vous avez été attentif depuis le début, vous devriez tiquer et vous dire « il y a une couille dans le potage ». De plus, me direz-vous. Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir ou pour rembobiner. Allez, je vous donne un indice, c'est à propos des épîtres en général. Bon allez, je vous donne la réponse. Quand je vous ai présenté la structure du Nouveau Testament, je vous ai dit qu'il y avait 14 épîtres de Saint Paul. Sauf que maintenant, on sait qu'il n'en a rédigé que 7. Et que les 6 qui suivent ont été rédigés par ses propres disciples ou les disciples de ses disciples.
6 et 7, ça fait 13. Il en manque une. Alors, cette lettre manquante s'appelle l'Épître aux Hébreux et son auteur est inconnu. Voilà, une fois de plus. Qu'est-ce que vous voulez? J'y peux rien, moi. Hein. J'y peux rien, hein, je constate. Et les sept autres, me direz-vous, celles que l'on appelle les épîtres catholiques, alors? On n'a pas les auteurs non plus? Non plus. Les historiens actuels considèrent que ce sont toutes des pseudépigraphes. Encore. Je vous rappelle, un pseudépigraphe, plusieurs auteurs qui écrivent sous un seul nom. Et nous arrivons enfin au livre qui clôt le Nouveau Testament et donc la Bible telle que nous la connaissons dans sa structure catholique ou protestante même d'ailleurs, ou orthodoxe, à peu de choses près, et qui est le livre de l'Apocalypse. Apocalypse veut dire révélation. L'Apocalypse selon saint Jean est donc une révélation qui a été faite à l'auteur par Jésus-Christ himself sur le sens divin de son époque et comment le peuple de Dieu sera bientôt délivré. Sur 22 chapitres, le texte, usant et abusant de métaphores et de symbolismes, explique que la fin des temps est proche, que Dieu va bientôt redescendre sur terre pour récompenser les justes et punir les méchants, bien évidemment, et établir un royaume de paix et de justice éternelle. C'est dans ce livre que l'on trouve les notions comme l'Antéchrist, le chiffre de la bête ou du diable, le 666, les quatre cavaliers de l'Apocalypse, etc., etc., etc. Selon la Bible et les traditions, l'Apocalypse a été attribué à quelqu'un qui s'appelle Jean. Pendant un certain temps, les exégètes ont joué avec l'idée que l'auteur du livre de l'Apocalypse aurait pu être aussi l'auteur de l'Évangile selon saint Jean. Sauf que non. Une fois de plus. C'est une fois de trop, peut-être. Alors, que pouvons-nous conclure de ce survol des textes qui composent la Bible telle que nous la connaissons? Eh bien, le moins qu'on puisse dire, objectivement, c'est que nous ne savons pas grand-chose de leur origine, nous ne savons pas grand-chose de leur date d'écriture, nous ne savons pas grand-chose de leurs auteurs, qu'ils soient réels ou supposés. Finalement, ce qui reste de nos jours, que ce soit pour la Bible hébraïque ou la Bible chrétienne, c'est surtout la tradition et la culture. Et c'est déjà énorme, parce qu'elles font partie des piliers de notre civilisation, laquelle a produit quelques fruits remarquables au passage dans l'histoire de l'humanité et a laissé des traces magnifiques, notamment artistiques, architecturales ou philosophiques. C'est un héritage précieux qu'il nous faut chérir et protéger, mais qu'il faut aussi regarder en face. La quête scientifique de l'origine de la Bible prouve que celle-ci est plus que nébuleuse. De là à se demander si, par hasard, ces textes, qui sont censés avoir été inspirés par un Dieu omniscient et omnipotent, l'ont réellement été, et considérer la Bible non plus comme un texte sacré, mais comme le témoignage important des mythes et légendes qui ont façonné notre civilisation, au même titre que leurs homologues gréco-romains en leur temps, il n'y a qu'un pas que nous franchirons allègrement dans les vidéos suivantes. Au final, il est fort probable que Dieu n'existe pas. Alors, cessez de vous faire du mouron, détendez-vous et profitez de la vie, parce que, jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une. Ciao. Si vous avez trouvé cette vidéo provocante, déstabilisante, voire scandaleuse, eh bien, ce n'est pas très grave et faites très exactement comme ceux qui l'auraient trouvée instructive, intéressante, voire divertissante. N'hésitez pas à me le faire savoir, poliment évidemment, en appliquant la sainte trinité youtubesque. Un pouce bleu, tu l'y mettras. Avec tes potes, tu partageras. Un commentaire, tu laisseras. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les épisodes suivants. Ciao !